Salut YouTube, on est de retour sur Crash 4, voilà. Alors, la dernière fois, ça s'est passé ok, mais vous savez, j'ai eu quelques petits soucis avec ça, vous voyez. Regardez, je pourrais témoigner à visage caché. Et faudrait que je fasse une voix chelou, attendez. Oui, bonjour. Donc, je voudrais expliquer que j'ai joué à Crash Bandicoot 4 et que ça s'est pas très très bien passé à cause de cette manette de merde. Voilà. Je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent PlayStation, qui regardent ma chaîne. Mais voilà, donc je préfère... Ah merde, j'ai dit ma chaîne... la chaîne de Tonium. Je suis pas Tonium, hein, évidemment. Et voilà, et cette manette est merdique. Bon, donc du coup, ouais, ça s'est mal passé avec la manette, c'était chiant. Et ce matin, j'ai reçu un petit truc. J'ai reçu un petit objet que j'ai pu brancher sur ma PS4. Et regardez... Regardez ça, hop, vous voyez? Et bien là, je vais appuyer sur barre, regardez ce que ça va faire. Oh! Ah bah dis donc! Ah bah dis donc! Incroyable, non? J'ai une bite d'eau, branchée à la PS4, et ça fonctionne! C'est incroyable! C'est incroyable! Donc, je vais pouvoir jouer à Crash 4 avec la bite d'eau. Donc avec des sticks qui fonctionnent, avec un personnage qui fait pas comme ça, et avec de l'USB-C en plus. C'est vachement bien. C'est quoi comme convertisseur? J'ai pris le Mayflash Magic S Pro 2. Je vais mettre le lien dans le chat. J'ai pris celui-là. Et franchement, ça marche super bien. Ça marche bien. Et en plus... Mais tu vas plus avoir les sus de la manette. Tu vas devoir être bon. Bah oui, non mais ça on est d'accord. Mais j'aurais... Non. Non, patatarte. J'aurais l'excuse que je connais pas les touches de... je connais pas les touches. C'est le X rond, carré, rond et triangle, là. Je les connais pas. Et vu que là, regardez, c'est ça. Du coup, je pourrais dire, ah bah non, mais j'ai rien compris, ces trucs de Xbox. Je voulais tester avec manette Xbox, bah voilà, bah ce truc-là fonctionne. Du coup, ça fonctionne avec la bite d'eau, ça peut fonctionner en Bluetooth aussi. Donc là, bah j'aime bien, moi, jouer en filaire, mais ça peut marcher en Bluetooth. Là, on peut mettre la DualSense sur la PS4. Enfin, bon, bref, incroyable. Hop. Je valide et ça marche plutôt pas mal. J'ai aussi reçu un nouveau switch HDMI. J'ai racheté des câbles HDMI aussi parce que de temps en temps, vous le saviez, il y avait mon écran qui s'éteignait. Et du coup, ça me saoulait. Donc j'ai changé tous les câbles, j'ai changé le switch HDMI. Donc normalement, on devrait plus avoir de soucis de ce côté-là. Quelle joie! Quelle joie. Mais en fait, je pourrais même essayer la manette de Xbox. Hein. Et j'aurais les sticks. Putain, mais oui. Du coup, j'aurais les sticks... Est-ce que j'essaye? Attendez, je débranche la manette. J'ai débranché la bite d'eau, là. Et si je branche... la manette de Xbox Series... Ça marche. Ça marche. Oh shit! Parce que finalement, j'ai besoin de jouer au. C'est peut-être pas un jeu merveilleux pour la. Pour la bite d'eau, quoi. Donc ça, on avait fait. Donc voilà, donc tous les câbles ont été changés, j'ai refait du câblage, j'ai le convertisseur, j'ai le nouveau switch HDMI, bref, là normalement tout est ok quoi. Donc ça j'avais chopé,
qu'on allait... on va ici. On va ici. J'ai pas trouvé la gemme cachée. J'ai pas fait le niveau en moins de 3 morts. Et j'ai pas trouvé le... Putain, ça... Ah, ça, c'est tellement bien. Ah là là, le seul défaut. Le seul défaut de ma PS4 Pro vient de partir. C'était la manette pourrie. Bon, par contre, quand il va me dire appuie sur... appuie sur triangle, je vais être... Merde. Merde, c'est où? C'est où triangle? Donc là, il faut que je mourre pas. D'accord? I have to not mourir. J'ai tout oublié, en fait. Vu que j'ai plus la même... j'ai plus la même manette, j'ai tout oublié. Merde, j'ai pas changé, j'ai remis Crash. Oh. Je veux pas jouer avec Crash, moi, je veux jouer avec Coco. Crash, il est nul. Crash, il pue du cul. Je l'ai. Ok. Nice. J'ai eu peur qu'il y ait le bug. J'ai vu Crash faire ça, mais en fait c'était parce qu'il y avait le... Il y avait la cinématique. J'ai flippé. Putain, j'ai flippé. Ouais. Saute là-dessus, toi. Allez. Merci. Ok. Y'a un moment où on va l'avoir le... Ah merde. Je veux le... On serait plus la Hitbido ou la manette de Xbox. Bah vu que c'est un jeu qui joue au stick, plutôt la manette de Xbox, tu vois, c'est ce que j'ai fait, du coup je suis passé à la manette de Xbox là. Et vu que c'est un jeu qui joue au stick, si ça avait été un jeu qui jouait à la croix directionnelle, typiquement si ça avait été un platformer 2D, je t'aurais dit Hitbido largement. Mais là, ouais, non, en fait la manette de Xbox est quand même assez... assez bien pour le jeu, quoi. Tac, tac. Allez, vaut plutôt que je prenne par là. C'est chiot. Ok. Ok. Merde. Bah pourquoi ça? Non! Putain! Sigh.
sais pas pourquoi. Bon. Alors, je sais pas pourquoi il a activé le truc, je sais pas pourquoi il a glissé comme un con. Allez go. T'es mort. Ah merde, faut que je remonte. J'ai vu que la cassette était là. Putain, j'étais vraiment pas loin. Ok, voilà, fallait que je remonte. Donc la cassette était là. Wesh, t'as vu? Merci. Ah oui, c'est vrai. Oh, ce passage-là, oui. Oh, je l'avais pas aimé, hein. Ça y est, je me rappelle que je l'avais pas aimé. Vas-y, tire, connard. Merci. Par contre, voyez, les gâchettes de la manette de Xbox One sont beaucoup plus sensibles que celles de la DualShock. J'essaie de me dire de faire sur Salad Boy avec les plateformes à diriger soi-même, sauf que pas de gyroscope dedans. Embêtant, la DualShock reste quand même obligatoire. Ah oui, bah oui. Il y a des jeux où tu peux pas. Hein. Alors là, l'adaptateur, il émule aussi le touchpad du milieu. Mais faut appuyer sur deux boutons en même temps. Enfin, ça a l'air d'être chiant. Donc je pense que les jeux pareils où il y a besoin du touchpad doivent être beaucoup plus relous. C'est à voir quoi. C'est pas pour tous les jeux quoi. Ok, bon, j'ai eu le moins de 3 morts. J'ai pas eu la gemme cachée, tiens. Mais typiquement sur la 8-bit-do, je peux mettre des macros. Et ce que je pourrais faire avec la 8-bit-do, c'est faire une macro pour le slide machin là. Le slide truc dont tu m'as parlé la dernière fois. Et je pourrais faire une macro et j'aurais juste à besoin d'appuyer sur un seul bouton pour qu'il le fasse automatiquement quoi. Ce qui pourrait somme toute être assez pratique. Par contre, pas compatible avec Xbox le système ? Je sais pas. Si, c'est compatible avec PC. C'est compatible PC, donc normalement si. Attends. Les specs techniques. Système compatibilité. PS4, Switch, macOS, PC, Windows, Raspberry Pi, PS3, Neo Geo. Ah, effectivement. Ils en ont d'autres.
Ils en ont d'autres, donc il y a peut-être... Il est avec moi. Je l'ai trouvé perdu dans le coin et je lui ai rapidement expliqué le temps, l'espace, enfin vous voyez. Magic S Ultimate. Je suis rentré à la maison. Je profitais bien de ma retraite en fait. Compris. Notre méchant a changé de camp lui aussi. Méchant. Silence. Non, le S Ultimate qu'il n'y a pas non plus. Ne teste pas ma patience. Je sais pas. Alors, regardez s'il n'y en a pas un autre qui, alors, qui marcherait. Cet insecte sait forcément obéir aux ordres. Ah, il y en a un, mais le Magic X. Attends. Magic X, si le Magic X est compatible avec Xbox Series, Xbox One, Switch, macOS, y a plus la PS4 par contre. Nos affaires avec tellement de talent. Naturellement, tout comme toi. Y a plus la PS4. Je dis ça mais j'ai pas de, de Xbox. Ah. Ah. Ouais. Et d'accord. On s'en fout. Là le truc marche pour PC. Donc en gros y a moyen de mettre n'importe quelle manette filaire sur PC quoi. Aussi. Ce qui peut être intéressant. Si jamais vous voulez jouer avec votre DualShock sur PC, c'est possible. Pas intérêt mais c'est possible. J'ai toujours pas changé le skin. Il est bas. Comment j'ai fait tout à l'heure? Comme ça. Où qu'il est bas? Merveilleux! Nice. On continue. Oh putain, je me suis tellement fait avoir là. Là je reste. Là je fais ça. Là je fais ça et là je remonte. Ok, je l'ai. Ah. Merci Mathieu Mu, je sais pas. Désolé si j'ai écorché ton pseudo. Mon PC, autant que je ressorte la SNES, elle a pas volé depuis 2006, quoi. À moins que la 8800 GTX dedans soit toujours d'actualité, mais j'en doute. Holy shit! Ah oui, effectivement, c'est pas tout jeune, quoi. C'est pas, c'est pas du matos super récent. Après, si tu t'en sers pas... Si tu t'en sers pas pour jouer, y'a pas de problème, quoi. Merde. Mais je... Merci. Quand même aussi, hein. Toi tu meurs. Non, je l'ai loupé.
préféré à l'époque de cartes graphiques. Mais j'ai mûri. Comment ça j'ai mûri? C'est quoi ces conneries? J'ai mûri. Genre il y a... Quand t'es un enfant tu joues au PC et après tu joues à autre chose? Qu'est-ce que tu racontes? Non mais... Alors un coup... Non mais... Alors cet ennemi là il est merdique. Parce que un coup... Voilà. Un coup il va te tirer dessus pendant que t'es en train de descendre. L'autre fois il va attendre un petit peu. Merde quoi. Sois constant gars quoi. Oh y'a le... Oh y'a l'autre qui m'a snipé dans la fenêtre de... De 2 mm là. Putain. Non. Qu'est-ce qui se... J'ai cru que j'allais mourir mais non parce que j'avais un Booga Booga. J'avais le Booga Booga. Donc du coup je suis pas mort. Et j'ai déliré. Attends, tu disais... Attends, c'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est... Oui, c'est bien ça. Ah, le coup! Merde, merde! Merde. Ce sont tes gamins qui prennent le relais, mon fils est fier. J'ai pu lui créer son pseudo sur PSN. Avec la restriction d'âge. Il a quel âge? Let's go! Merde, j'ai pas eu la gemme cachée. Tu peux rien faire avant 7 ans. C'est rigolo. C'est rigolo parce qu'il y a des jeux... Il y a des jeux 3+, quoi. Il y a des jeux 3+, mais tu peux rien faire avant 7 ans. C'est quand même rigolo, quoi. LOL. Bon. C'est quand même plus sympa qu'une vraie manette. Par contre, c'est vrai que les gâchettes... Elles s'activent... Non ! Ouais, non, attendez, je sors. C'est peut-être dans l'option. Passer et jouer, c'est quoi passer et jouer ? Ah mais c'est rigolo ça. Il y a une option pour passer et jouer. Pour pas que les gens trichent. Toujours pas fini le 7B de Céleste, j'en suis à deux drapeaux de la fin du sommet. J'avance pas, ça me saoule. Après devoir tout faire en C. Les C sont plus faciles. Hein. Y'a un trophée pour le passer et jouer. Ah. Faudra que j'essaye. Voilà. Je vais pouvoir reprendre la jolie licorne. Jolie licorne. Jolie licorne.
Ah, on est mieux là. Silent, ouais, elle est. Elle est chez quoi? Tu peux suivre les deux sur Insta. Et tu auras des nouvelles. Ah mais oui, ça c'était le... Attendez. C'est pas là où... Ouais, c'est là où il y a la gemme cachée de merde, là. Non? Il me semble. Si c'est pas exactement là, c'est dans ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai même pas vu que t'avais lancé. Bah... C'est normal. Vu que Twitch ils font de la merde sur les notifs. Tu vas, Fieril? C'est la sixième carte qu'on me vole cette année. Ma femme va me tuer. Oh, il est où? Elle est où la disquette? Moi je veux la disquette hein. Oh, les deux ont pris là. Merde. En fait, il y a moyen de mourir ici. Hein. La première fois que je l'ai fait sans problème. Mais il y a moyen de crever en fait. Si on s'y prend mal. Non mais... à la fin du niveau. Attention à tout l'équipage, ceinture d'astéroïde 3 devant, accrochez vos ceintures. T'arrives juste pas à te réveiller depuis ce matin. Ce matin, ouais, ça commence à faire, il est 16h. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Pas le moral ou Ou tête dans le cul?
Si on parle de tête dans le cul, on peut parler de ma tête. Hein. Je pense que dans le genre pas réveillé, je suis là aussi, quoi. Tête dans le roucoucou. Oh là, c'est là. Faut pas que je me fasse toucher, hein. Je l'ai eu. C'est tout ce qui m'importe, c'est que je l'ai eu. Tu joues à des jeux comme ça avec les yeux qui piquent, comment tu fais? Je peux pas. Je sais pas. L'habitude. C'est l'habitude sûrement. Et le fait que je joue à la PlayStation avec cette manette. Il y a ça qui joue aussi, hein. Ok. Ça c'est... Merde. Je me suis gouré de boutons. Du coup, j'ai fait une capture d'écran. Après, on pourrait faire les boss en inversé, tiens. D'Xbox, mais par rapport à la manette de merde. Je voulais dire la manette... DualShock 4, évidemment. En plus, la manette de Xbox Series. Encore mieux. Encore mieux. Merde, ça commence mal. Ça commence mal. Elle a un gyro? Non. Je crois pas. Non, je crois pas, hein. En même temps, c'est de la merde, le gyro. On n'a pas envie de jouer à des jeux avec le gyro. Hein. Tiens, Sackboy sur PC, ça marche comment? Ouais, tiens, Sackboy PC, ça marche comment, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait des phases en gyro? Oh là là. Oh, la limace, quoi. Genre, faut pas que je meure ici. Oh là là. J'aime bleu maintenant, tiens. Non! Oh
Oh là là, les salauds, les salauds. Ah ah ah. J'avais pas ça la dernière fois, si. Super. Meilleur endroit pour me filer ça, hein. Les bats. Oh allez, c'est là-bas, vous l'avez vu. Faut pas que je me plante. Je l'ai eu. Oui. Oh là, je l'ai eu. Je sais toujours pas comment on plane. Hein. Bah oui, bah évidemment. Pour planer, tu prends une feuille de papier à cigare. Qu'est-ce que tu veux me faire fumer, toi? Qu'est-ce que tu veux me faire fumer? Et comment tu sais ça, d'abord? Fieril. Non, mais merde! J'avais oublié que lui il changeait de... Je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire toucher, mais j'ai réussi à pas me faire toucher. Mais non mais... Oh putain. J'ai eu 20 ans à Rennes, voilà comment je sais. Oh, elle est en train de dire que les Rennais c'est des gros drogués. C'est des tox. Elle est en train de dire que la moitié de la population de Rennes, c'est des punks à chiens. Merde, elle a raison. Allez, le safe pass. Hop là. Ah non, mais la fin, c'est l'enfer, non? Je sais plus. Enfin, il me semble que la fin, c'est l'enfer. Non, c'est bon. J'ai réussi. Moins de 3 barres. Oh, l'amalgame. Faut se me dire que j'ai tort. Genre, y'a que des punks à chiens qui font des trucs illégaux du genre. Bah, évidemment. La population. Les vrais gens de la vraie vie. Ils font pas ça. Ils fument pas de la drogue, les vrais gens de la vraie vie. Hein. Et puis,
Et puis le ministre de l'Intérieur, il l'a dit. Tu commences par un petit ouinge. Et tu finis avec des picous dans le bras. Hein. Et s'il y a bien quelqu'un qui ne ment pas, qui ne ment jamais, c'est bien Gérald Darmanin. Jamais il a menti. Jamais il a négocié des fellations contre des locations. Jamais. Ah non, non, non. Un homme intègre. Droit dans ses bottes. C'est ça. Il ment jamais et blanc comme neige. Pas du tout une ordure. Vous savez, on n'a plus le droit de dire ordure aux gens du gouvernement, ni au président. Vous savez, comme dans les dictatures. Comme en Chine, ou quand vous critiquez le pouvoir en place, ils viennent chez vous. C'est rigolo, on fait pareil en France. Il est loin de temps des guignols, putain. Ce qui est dramatique, c'est qu'on fait plus la différence entre le Gorafi et puis les vraies nouvelles, quoi. La Marlène Schiappa qui va faire la une de Playboy. Ça a été démenti, ça, ou pas, d'ailleurs? Parce que la veille, parler de ça la veille du 1er avril, on pourrait penser à une mauvaise vanne. Un contre-feu, quoi. Il y a Marlène Schiappa qui a dit que. Il y a eu un communiqué comme quoi Schiappa allait faire la une de Playboy, quoi. Mais. Il y a beaucoup de gens qui pensent, probablement à raison, que c'est un contre-feu, en fait, pour éviter qu'on parle des 2 millions. Des 2 millions détournés dans son association, là. Hein ? Vous voyez ? C'est au moins, pendant qu'on parle de ces photos sexy dans le drapeau français, on ne parle plus de l'association qu'elle a montée et qui a fait rien du tout, qui a servi à que dalle, sauf à filer du pognon à deux de ses potes. 3000 balles par mois quand même, hein, de salaire, pour faire rien. C'est pas mal. On voudrait peut-être mieux parler de ça, en fait. Du détournement de fonds publics. Ça embauche son assaut. Bah, je crois que du coup là c'est un peu mort. Et puis c'est faut être copain avec elle, quoi. Le truc, c'est que oui, les responsables de l'assaut, c'était des potes à elle, quoi. C'était pas le kidam, quoi. Tu vois. Loin de moi l'idée de dire que tu es le kidam. Mais à mes yeux, tu ne l'es pas. Et je pense qu'aux yeux de Marlène Schiappa, tu l'es, quoi. Ça problème. C'est dégueulasse. Ouais, mais je veux pas être pote avec elle. Elle pue du cul à la montre. Bon bah je pense que j'étais pas très très loin, mais je pense que malheureusement je suis décédé.
Ouais, on peut pas passer comme ça, ok. Ouais, l'eau me fait courant d'air avec les chiens. Oh là 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 là. Bah, ça veut dire qu'elle est pas chiotte. Ah bah non. Elle fait pas courant d'air avec les chiottes parce que. Elle dit de la merde. Bah oui, bah évidemment. Coucou Chrisou. On parlait de Marlène Schiappa. Est-ce que toi aussi tu détestes Marlène Schiappa? Dis oui s'il te plaît. Oh merde. Oh ça passe. Ah oui ça passe. Bouki les bas. C'est sympa le politique, sa façon de parler. Pas plus fan que ça. De là à détester, non, je m'en fous. Et on crie sous. Elle prend le plein. Elle pas le plein de pognon tous les mois à écrire des bouquins de cul. Alors qu'elle devrait bosser. Comment tu vas sinon Chrisou? Genre il passe à travers lui. Sinon c'est quand? Oh là, c'est quand? Non! Bah, elle est où la cassette là? Allô? Allô la cassette? Oh là là, ça c'est. C'est tellement casse-gueule! Mais genre je suis passé devant. Non mais attendez. Y'a un truc que je comprends pas. Je l'ai pas vu. Est-ce que je suis le roi des connards? Ah de toute façon je l'aurais pas eu. Et je l'ai même pas vu. Et bah moi ça va beaucoup mieux depuis que je joue à ce jeu avec une manette de Xbox sur PS4. C'est incroyable. Alors j'ai pas vu la gemme cachée. C'est Munchie. Munchie. T'es où? Il est où Munchie qu'on a besoin de lui là? Ah là là. Ah le perso qui bégaye pu. Trop bien hein. Meilleur truc hein. Les contrôles du perso qui bégaye plus c'est oui hein. Je continue quand même histoire d'apprendre un peu le jeu. Enfin le niveau. Et ça devient un peu plus compliqué là quand même. Hein. Ok. Oh, évidemment. 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 Tout à l'heure j'ai réussi. Du coup là j'arrive plus.
C'est rien vu. Vous n'avez rien vu. Rien du tout. Vous avez tout oublié. Hop. Alors, je vais jouer pour la première fois ce niveau que je ne connais absolument pas. Ah, il a l'air chouette. Alors, comment on commence? Ok, faut sauter sur les trucs ici. D'accord, ok, je vois. Je vois. Oubliez quoi? Rien. Rien, Crisou. Absolument rien du tout. Il n'y a rien à oublier. Donc c'est très bien. Je suis très fier de toi, de que tu n'aies pas oublié. Rien. Je suis nul. Pourquoi j'ai réussi tout à l'heure? Ça se trouve, je suis passé devant la. Ça se trouve, la cassette, je suis passé devant. Je l'ai pas chopé. Ça serait vraiment cool. Alors, en fait, c'est ça. Faut désactiver. Faut désactiver le ralentissement pour pouvoir mieux le réactiver. Merde! Ah mais tout à l'heure, c'est des trucs que j'ai fait du premier coup, ça. Pourquoi je chie dans la colle, quoi. Ah bah, c'est mort. J'ai d'attendre. Un noob! Obligé d'attendre comme un gros noob. La petite caisse qui a failli me faire tomber. Très sympa. Bon, du coup. Pour l'instant, on voit rien. Non! Les crottes de bique, c'est où? Je suis circonspect là. Ça c'est le bonus, on s'en fout. Merde. Voilà, merci. Wesh, hey, tu me vois ou pas? Je vais m'attraper. Je peux pas, connard. Merci. Mais il y a bien... Il y a bien une cassette.
là 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 là. Non. Putain de merde. Je sais pas où est la cassette. C'est quoi le nom du niveau? Je vais aller chercher. Je vais aller chercher sur internet. Parce qu'internet c'est bien, on peut trouver plein de trucs. Le saviez-vous? Quand vous avez des recherches à faire, vous pouvez les faire sur internet. Et vous aurez plein de réponses. Typiquement, quel est le nom de ce niveau, par exemple? Vous pouvez le trouver sur internet. Donc c'est sur rue alimentaire. Et trouver plein de trucs sur Bing. Puisque évidemment, tout le monde utilise le moteur de recherche Bing. Qui est le moteur de recherche le plus utilisé sur internet. Bing. Merci Chrisou. Bing, j'aime pas, j'utilise Lycos. Va chercher. Crash. 4. Ruée. Alimentaire. Non, je suis méchant parce que j'utilise Bing quand j'installe Windows pour aller télécharger Firefox. Donc j'ai vraiment été vilain. Alors que je l'utilise. 100% la gemme cachée. Utilisez les véhicules volants pour trouver la gemme sur la gauche. Comment ça? Ah oui, dis. Effectivement. Bon, la gemme est là. Moi, c'est pas ça que je veux, moi. Et quelle gemme et les fruits? On s'en fout des fruits. Ça serait si je voulais un voluto... Ah, mais putain, elle est où? Rue alimentaire. Et comment ça... c'est quoi que je cherche? Cassette. Non, cassette. La cassette vidéo se trouve sur le chemin, au centre, sur les caisses. Quoi? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Attendez, peut-être. Il me met sur un autre truc, quoi. Vous arrivez sur un nouveau checkpoint avec de nouvelles séquences de cours sur les flancs des véhicules, sauf que désormais, il n'y a pas de plateforme entre chaque véhicule. Mais des caisses prêtes à se briser. Mais c'est pas rue alimentaire, ça. Attendez. Ce que je vais faire, c'est courir sur les murs, activer le pouvoir de gravité pour utiliser le véhicule qui vous survole, puis recommencer l'opération. Ah oui, d'accord. Se trouve sur le chemin, au centre, sur des caisses. Ah, ok, d'accord, je vois à quel endroit c'est. D'accord, ok. Il y a juste à y arriver sans mourir, quoi. Il y a juste à le faire sans mourir. Regardez la gemme à la gauche, vous voyez? Est-ce que vous voyez la gemme?
Il y a la gemme ou pas? Regardez. T'as vu où elle est? Elle est a priori sur le truc du milieu. Bah je l'ai eu. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah bah non! Ah non, vu que je mours. Merde! Est-ce que si je fais rejouer, est-ce que ça considère que je l'ai eu ou pas? Ou est-ce qu'il faut que je termine le niveau pour recommencer le niveau? Sinon, je l'aurais avec les caisses, hein, sinon. C'est pas grave. Oh, les temps de chargement, quoi. En fait, je devrais direct aller sur celui d'en face, et après faire des slide jump. Ouais. Je pense qu'on va essayer ça. J'aimerais bien voir la gemme quand même, parce qu'après je vais oublier. Je sais que je dis, oh, je ferai des trucs la prochaine fois, et que je m'écoute pas, quoi. Je peux pas te dire, je suis rarement mort pendant les niveaux. LOL. LOL! Tu penses que je devrais éviter de mourir? Non mais le mec il arrive, il dit ouais je suis rarement mort alors qu'il a même pas terminé le jeu, quoi. Franchement la honte. Franchement merde. Munchie c'est un peu la honte, hein. Là je saute au pif, hop. Ça n'a pas fonctionné. Y'a pas de trophée pour le plus de morts. Putain merde. Mais t'as envie de te faire t'as envie de te faire banner, toi. En vrai, Munchy. À chaque fois que tu viens, c'est pour te moquer. Ah, pas que les time trials. Tu m'as dit que la dernière fois qu'il y avait un niveau que t'avais pas réussi à faire à 100%, là. Moi je banne pas pour ça, je ris trop. Merci. Ah super les modos. Super les modos qui sont du côté des harceleurs, quoi. Bravo. Hein. Ça harcèle le streamer hein, et les modos ne disent rien, quoi. Vraiment, je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. Non, trop, non, non. Où j'ai dit, au milieu, j'arrête. Hein. Hop, hop. Voilà. Easy. Franchement, easy. Tut. Repatatarte. Nice le. Je me suis fait peur. Non. Oh putain, il m'a fait peur lui. La caisse à la cour, elle me fait peur. C'est passé. Google Booga. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là?
c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est exactement ce que je voulais faire. Ah oui, regardez là. D'accord, ok, c'est bon, j'ai vu. Vu. Et bah, ça va être chaud. Et bah, Non! Non! Non, je l'ai eu. Ah, mais je l'ai eu, je m'en fous en fait, c'est vrai. Non, c'est bon, je l'ai eu. C'est bon, je l'ai eu, je m'en fous. Ça y est, c'est ok. C'est obtenu. Après, je peux mourir, c'est vrai. J'avais oublié. Ah, on sent mieux, hein. Par contre, là, pour avoir les caisses. Pour avoir les caisses ici sans crever. Ça va être pas mal, hein. Là, bisous. Ça fait extrêmement plaisir de te voir. Oui. Là, bisous. On sait, avec le freeze du temps, tu relances volontairement pour ralentir aussitôt derrière. Tu as gagné du temps comme ça. Ce que j'ai fait? Non, je sais plus. Ce que j'ai fait. Yop là! Ah, j'ai eu 50%! Eh! J'ai déjà eu 50%. Déjà 50%? Des gemmes. Déjà. Vous avez vu? Vous avez vu comment ça va vite de récupérer les gemmes? Ça c'est bon. Oh là là, mais là... Oh là là, c'est les niveaux... c'est les niveaux de l'enfer. Il me reste plus que 3 à récupérer, c'est ça? Ouais, bah ouais. Exactement. Après, il n'y aurait plus qu'à les faire, les cassettes. Là, c'est bien gentil. Là, c'est bien gentil, je récupère les cassettes. Mais après, va falloir faire les cassettes. Et là, on va s'amuser. Parce que les cassettes, c'est moitié skill et moitié robot, hein. Moitié skill et moitié... Non, c'est pas ça. C'est moitié skill et moitié enfer. Écoutez-moi, Lacaille. Il y a un moi imposteur en liberté. Il est identique en apparence. Des yeux bleu-bleu, des lèvres comme des bananes, la peau d'un raton atteint de jaunisse. Bref, un canot de beauté. Exactement, c'est exactement ce que je me disais. Je me disais, ah là là, mais quelle beauté. Ah oui. Elle ira, connard. J'ai eu la... J'ai pas eu la gemme cachée. Hein? Si vous voyez la gemme cachée, vous me le dites, hein. Et vous me le dites avec du contexte. Évidemment. Vous me dites pas juste dans le chat, là. Si vous me dites juste là dans le chat, je ne sais pas de quoi vous parlerez. De quoi vous parlerez, merde. Oh merde, je suis mort. Oh putain, merde. Allez, on va essayer de faire le sans mourir. Enfin, en mourant maxi 3 fois.
va me permettre d'apprendre un peu le niveau, voilà. Apprendre un peu les strats, le vampire, évidemment. Vous-même, vous savez. Voilà, c'est au moment où je commence à décoller là. Il faut que je change. Oh mais ça doit être dans le coin. Faut sûrement faire tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, non, faut continuer. Moi je suis con. Je suis juste con. Au-dessus de la roue qui tourne. À laquelle? Au-dessus de la roue qui tourne. Il y en a 12. Il y en a 12 roues qui tournent. Il me dit au-dessus de la roue qui tourne lui. Celle d'où que je viens de mourir, ok. Arrête de bouger, ah bah oui. Bah oui, je vais jouer au jeu en m'arrêtant toutes les 4 secondes. Et en vous disant, c'est là? C'est là? C'est là? C'est là? Je vais où après? Où j'aille? Ah bah oui. Oh, c'est bon, j'ai compris. Non! Nick. Nick! Oh, faut que je termine le niveau là pour. Donc là, le niveau c'est mort. J'aurais pas. Faut que je termine le niveau pour avoir la gemme. Puis que je recommence le niveau. Je recommence le niveau. Il arrête le niveau. Il recommence le niveau. J'arrête définitivement le niveau. Ils vont être fun à faire ceux-là, enfin fun. Fun, on s'entend. Mais je pense que ceux-là, ils vont être fun à faire en time attack. Va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Mais je pense que les champs... on sait pas où on est. Vous savez, c'est les pires jeux 3D. Il y a de la 3D, mais vous savez pas où vous êtes exactement. Par rapport au fond, tout ça, vous savez pas. Ah bah super. Ah bah bravo. Ah bah bravo connard. Non c'est bien, c'est bien, ça m'apprend à le faire. Parce que tout à l'heure il va falloir que je le fasse sans mourir. Vous voyez. Donc faut que j'arrive à savoir où je me trouve à peu près. Voilà, là j'étais assez près. Donc ça c'est les connards. J'ai failli aller dans le... dans le bloc avec les... Merci. Oh là là, les petits blocs là. Ah, c'est rigolo ça. Merci le jeu d'être si drôle. Hein. On pourrait s'amuser sinon. Hein. Protégez votre
Merde. Voilà. Mais quelle merde! Quelle merde ce niveau! Oh, non! Faut que je fasse gaffe à ça aussi, ok. Chier. Oh, le jeu qui te baise. Mourir toi. Pop. Et donc là faut attendre. Ou alors faut sauter sur celle-là directement je crois. Est-ce que je peux sauter là-bas direct? La question c'est est-ce que je peux sauter? Alors ouais, et là faut que je saute au bon moment. Donc faut que je saute quand c'est en haut. Voilà. Oh là là, oh, oh je l'ai fait. Je vous jure je l'ai fait. Ok donc la cassette est là. Bah ça va, c'est pas très loin. Ça va, c'est pas loin du tout. Oh non mais... Mais merde! Le jeu qui t'éjecte. Putain, le jeu qui t'éjecte, quoi! C'est tellement pas drôle, c'est tellement pas drôle! Alors c'est chiant, bordel de merde!
Ah, tu te fais éjecter, c'est super. Putain, mais j'ai 15 morts, quoi. Comment c'est possible? Non mais arrête, non mais... Putain, mais le jeu, mais le jeu, mais arrête, arrête, le jeu, t'es merdique. Oh là là, mais quelle merde. Oh là, quel enfer. Non mais... Ah putain. Super drôle. Ah c'est super. Vraiment c'est génial. Ah j'adore ce gameplay. Oh merde, merde. Allez vas-y, go, go. Non. Coup Dova. Comment ça va Dova? Oh mais ta mère, ton père. Ta grande soeur et ton petit frère quoi. Comment ça s'est passé Dova sur The Last of Us? Ah mais on peut faire ça? Mais oui, mais c'est évident. Mais c'est évident. Vu qu'on ralentit le truc, on peut... Ah putain, mais j'avais pas pensé à ça. Très bien. Je t'avoue que j'en ai vu une bonne partie. J'étais en full lurk. J'en ai vu une bonne partie. Mais à un moment, je suis parti. Puisque j'ai lancé mon stream, je voulais jouer à Alan Wake. Enfin, je voulais jouer à Alan Wake. Non, je voulais pas vraiment jouer à Alan Wake, mais je voulais le terminer, quoi. Je voulais pas vraiment y jouer, quoi. Comme des bananes. Un canon de beauté. Mais non, t'es moche. Wesh, t'es moche. Hop, ça c'est fait. Wesh, bisous. Je sais déjà plus. C'est comme ça. Putain, je savais déjà plus ce qu'il fallait faire, quoi. Là, le niveau, je l'ai fait il y a 2 secondes, je sais déjà plus comment on le fait, quoi. Donc là, ça c'est bon. Un canon de beauté. Là, ça va trembler, voilà. Donc là, je change. Là, je réinverse. Là, j'inverse pas. Et là, je me fais défoncer parce que je sais pas où je suis. Oh putain, c'est passé. Oh putain, c'est passé. 2 à la suite. Incroyable. Oh là là.
Très bien. J'ai peur. J'ai pas eu peur. Là, si vous sautez pas dans le bon truc, évidemment, vous vous prenez la merdasse. En l'occurrence, les caisses nitro. J'ai pris le dégât, putain, j'ai pris le dégât. Putain, je suis deg. Hey. Je déconne, faut pas que je déconne. Oh là là, la plateforme. Merde. Non. Ah, oh merde quoi. Merde. Mais remerde. J'allais l'avoir, mais c'est pas grave. Donc faut que ça soit où? Faut que ça soit au milieu? Au milieu descendant? Milieu descendant. Non, c'était tellement haut. Ah, le con. Donc là ça monte, là ça descend. Là ça monte, là ça descend. Yeah. C'est ça, là on traverse. Même chose. Affronter le masque. Ok. Faire gaffe quand même. Non ! Le bâtard de jeu. Eh ben, on va y retourner. Oui, on va y retourner. Mais après la pause, des bisous YouTube. Wesh, bye bye.